la CENI a décidé de sortir des exécutifs des CECI de Conakry, du FDG. Ils sont venus à Dixine, ils ont sorti celui qui était désigné par l'opposition comme trésorier. Et le faire remplacer par le PDM. Je rappelle que l'exécutif des CECI, c'est le président, et le président de la CECI lui-même, un trésorier et un rapporteur. En général, les deux, le trésorier et le rapporteur, est réparti entre la mouvance et l'opposition. Ici, l'opposition, dans le cadre d'un consensus, avait désigné le représentant de l'UFDG à la CECI pour siéger à l'exécutif. Les 4 sur les 5 avaient voté pour le représentant de l'UFDG qui a été installé. Alors, la semaine dernière, la CENI a envoyé une mission pour sortir de l'UFDG et mettre le PDM. Ils ont fait la même chose à Ratoma, ils ont sorti l'UFDG pour mettre l'UFR. Ils ont fait la même chose à Matoto, ils ont sorti l'UFDG pour mettre l'UFR. Ils ont fait la même chose à Kaloum, ils ont sorti l'UFDG pour mettre le PDM. Donc, c'est une stratégie qui vise naturellement à garantir, si vous voulez, à faire en sorte que le bureau des démembrements soit exclusivement composé par des gens proches du pouvoir, en violation flagrante des dispositions de la loi, parce que c'est la parité à tous les niveaux pour la CENI. Vous avez la mouvance et l'opposition. S'il y a deux postes, on les répartit par consensus. Mais ici, pour parvenir à leur objectif, ils ont décidé que c'est le trésorier doit être élu par tous les membres de la CECI, y compris ceux de la mouvance. Comme s'ils étaient préparés, ils ont décidé de faire élection, procéder à l'élection. Et naturellement, nos représentants n'ont pas accepté. C'est un poste qui revient à la mouvance, seuls les commissaires de l'opposition doivent le désigner. Et ça, l'élection avait eu lieu. Les 4 sur les 5 commissaires désignés par l'opposition avaient voté pour le représentant de l'UFDG. Mais ils ont fait utiliser les mêmes manœuvres, aussi bien à Ratoma, aussi bien à Matoto qu'à Kaloum. Si bien qu'aujourd'hui, l'opposition républicaine n'est pas représentée dans le bureau exécutif de ces démembrements. Quels moyens avez-vous pour changer ça? Bon, vous savez, la justice, les gens de bonne foi comme vous, la presse, donner l'information, dénoncer ces manœuvres qui ne sont pas conformes. Et les manifestations. Et les manifestations, bien entendu.